Yo tout le monde, j'espère que ça va. OMG, il se passe des choses en RP, quelle dinguerie, j'ai hâte. Et puis je vais éviter de remettre de la musique aussi parce que ça envoie des emails qui font peur alors que bah j'ai pas de copyright strike. Parce que j'ai retenu la radio. Qu'est-ce qu'on porte? Oh, Steve Style, allez hop. Yo la bif. Yo, ça Salut, salut. Ça dit quoi? Hector en DIY et moi je suis juste dans le QG, je viens d'arriver. Ok. Les trucs de prévu sort. Boulot normal et un peu de... Et la blanchie ce soir. Ok. Et commande commande resto resto aussi, aussi, on va on va faire. faire. Pif paf, pif paf. Est-ce que tu veux que je transfère le reste de verte? Parce qu'il en reste 376, je crois, un truc comme ça, donc autant le faire. Et je m'en vais.
nectar pour la DIY, ouais, ça suffira après ce que tu fais, hein. Y a pas besoin de plus. Ok, reçu. De toute façon, sur l'allée, j'ai croisé les flics, donc je pense que... Je fais celle-là, après j'arrête de tourner. Ah, ça roule. Je vais tester les prix, voir si on peut bosser. Je vais aller faire une sup, moi, après. Puis après, je me mettrai à bosser. C'est long. C'est très long. Et les prix sont good, on peut bosser. Let's go, moi j'ai bientôt fini. Et reçu. Et j'ai fini, et je rapporte 188 pochons. Et reçu. Par contre, on a plus de pure de verre. Ah, on en fera, ouais, t'inquiète. En fer, carrément, tu veux la faire pousser, genre chez toi. Exactement, mec. Incroyable. Je vais mettre une plantation chez moi, tu vas voir. Oh, mec, ça va être magnifique. Vas-y, laisse-moi, on fait ça sur les toits, quoi. Carrément. On peut faire dans des petits, tiens, des petits pots qui sont tout mignons là. Là, on va faire ça dans les petits pots de fleurs, ça va être marrant. Mais ouais, mec. Ça marche, je viens de rentrer moi. Tu vois à la maze? Yes. Bah j'ai un victoire, attends. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti ma Tailgater. C'est vrai. C'est quoi? Attends, je vais faire un petit tour de la maze avant. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas sorti. Ouais, buff à la maison, change. Et reçu. Reçu. Ils sont où exactement? Ils sont sous, tu sais, sous l'espèce de petit parking en dessous, là. Oh, je suis... Ah, ils sont en bas, ah ouais. Ouais, en bas, enfin genre pas en bas, pas de le parking, mais tu sais, t'as un petit truc, genre couvert, quand tu viens depuis la casse. Ah oui, je vois. Moi, je bouge à la plage.
Vas-y, moi je vais bouger ailleurs. Tu veux pas aller à la plage avec moi? Ah, on va essayer de les éparpiller. Ok. J'ai fini, je retourne au boulot, je retourne au quartier. Okay. Hello, is this ammunition? Habla español. English is okay. They have a next week. Hello? Sure, I understand. Hello. Of course, I'll try you again. Thank you. Hola. Gracias. Yo, what's up? Ha, hey, yo, thanks. Hey. C'est parti, je vais sur au nord du ponton. Thanks. Okay. T'as commencé à la plage toi? Ouais, 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 ça rend plutôt bien. Du coup, si t'as personne au ponton, tu peux décaler à la plage, de toute façon, il y a du monde. Ah, t'inquiète, j'ai du monde là où je suis. Putain, je suis en train de faire Uber Weed, moi je suis en train de livrer les gens directement chez eux. C'est beau, ça. Incroyable. Them army benefits is bullshit. Can I have some money? It's for crack. Sucker. Gotta go tell the program. I told you I knew Tai Chi. Stupid. I'm so jealous of everyone that gets to look at me. Ma'am, you already know. Hi. Thanks. Boy, if it's nice tomorrow, I'm gonna go jogging. Gotta work on my body. Right? Can't be all brains, right? Yeah, I know. Yo, dude, what's up? Children of the next level going away in a motherfucking spaceship. I feel that. Hey. Helen, are you the gapped one or the one with lopsided tits? Oh, right. Needs a nose job. I've been working on making my pecs there. I say, do you? Listen, that may be an asshole, but this asshole makes $6,000 an hour.
Gracias, mi hey, amigo. I haven't seen you at the Epsilon training. Bitch is loving it. Already, fam. I mean, said it. Je pars et file. T'es reçu. I'll be there in 10, babe. Ok. Putain, je suis passé à 200 à côté d'une buffalo, elle me suit pas. Elle est où la buffalo? À la place des cubes. Ok. Bon, c'était juste pour savoir si elle repartait. Bah, tu sais quoi, je pense que je vais aller à la maze, je vais changer un peu. Vas-y. T'es déjà parti, Hector? C'était moi le bouffrage, je désolé, pas fait exprès. Non, non, je suis au béni, je vais pas réparer la rétinue depuis la dernière fois déjà. Ok, ça marche. Je fais un petit tour de la maze avant. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Tu reviens à la maze aussi ou pas? Je pense, ouais. Ok, ok. Et j'ai fait un tour, j'ai rien vu. Eh bah, allez, let's go alors. Oh, il y a une masse accro, elle est un peu dégueu. Ah, le nacrage rouge sur une peinture verte, c'est vraiment dégueu. C'est vraiment pas beau. Ah ouais, toi tu es client, t'es doué. Ouais, j'ai pas fait exprès. Vraiment? Je crois que c'est en dessous pour WOM. Yo. Et je vais faire du bénisse. La séance, ouais. Ok, ok. Du coup, je vais aller braquer Little Seoul. Vas-y, vas-y, fais ton plaisir. C'est en dessous pour toi, Jigon. Et toi, c'est en haut. Non, vous êtes en train de me faire prendre en sandwich.
Réel. J'ai pas entendu. On s'est pris un sandwich. Putain, mon client, il a disparu. Ouais, des fois, ils font ça, je sais pas. Le mec est tombé dans le mur, mais il a quand même réussi à me donner de la thune, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, c'est en haut pour toi. Ah, j'arrive. Ton type il est en haut mais il a sauté pour dire qu'il était là. Il est content, voilà, j'espère qu'il me prend beaucoup. Okay, bon. Et là il te fait un doigt. Mais non, regarde, il est sympa. Je vous fais du très très sale, attention, Atex obsèque. Ils auront un jour le message, je me suis fait taser trop de fois. C'est pour ça que ce qu'elle préfère. Aux escaliers. Ok. Et c'est parti. Allez, bon courage. Petit interne derrière moi, je pense que c'est ouvert. Non, ça décolle pas. Je vais tenter l'audace, Steve. On va lui faire les petits blagues okay. Habituelles. Essaye de voir où est le keuf. Là, il va vers l'intérieur, là. Il est derrière un des piliers, il se dirige vers... Il y a un moment où il me voit faire, hein. C'est terrible. Non, là, il a le dos tourné, c'est bon. Putain, ils me les prennent à part un, ces bâtards de clients. Il me reste un petit, Steve, un petit. Nickel, refill. Ok, ok, moi je me barre aussi. C'est toi les sirènes qu'on entend? Non, moi je suis à la marina. Ah. Ah, peut-être qu'il va arriver vite fait bien fait du coup. Si vous voulez, je peux checker en passant par la maze. Hein. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Je viens de partir moi. Dans les quartiers sud de ce que j'entends. Ouais. Je les entends plus à la maison. Ah, peut-être une descente chez les wagons, ça on sait pas. Si seulement frère, mais si c'est le cas, les 10 se mettront en OP. Si c'est le cas, j'aurais pas d'interrocu. Hein. C'est pas faux aussi, ouais. Ah, par contre, je crois que j'ai un truc collé aux mains, ça me saoule. Peut-être demander à Doc Lobby de l'enlever. Ah oui, t'as un paquet de bonbons dans les mains. Ouais. Je vais demander à Doc Lobby de me l'enlever. Vas-y. J'ai pas vu de flic à la maze. Et est-ce que t'as vu s'il y avait toujours une. Ouais. Parce que quoi, en vrai, j'en profitais pour aller aux toilettes aussi.
Ouais yo, je viens de revenir. Ouais, t'inquiète, j'avais juste un petit souci Alors, j'ai coincé dans les mains, du coup j'ai Alt F4, je relance. Oui, ça va avec toi ou quoi? Je viens de voir sur le serveur. Il y a toujours une Buffalo à la maison. Ok. Attends. Merci. C'est là, tu disais... toi les sirènes à la plage ou pas? Non, c'est pas moi du tout, moi je suis à la maison. Putain, mais c'est un délire, il y a une autre CP en cours. T'es à la plage du coup? Ouais, mais je vais bouger, je vérifie. Tu veux qu'on aille où? Tu veux qu'on aille aux Cortes? Je veux déjà savoir ce que c'est, ces putains de sirènes qui tournent. Attends, j'y vais. Laisse-moi le temps d'accéder à la plage, je te dis. Ça fait une sup, mais c'est un port en même temps. Putain, t'es vraiment le meilleur, toi. Ah, écoute, multitâche. Le fameux multitâche, MDR. Mais du coup, tu disais quoi, Jilon, avant? J'ai peut-être un petit jeu à vous proposer si ça vous intéresse quand tout le monde sera libre. De ouf. C'est quoi? Un jeu, on va tous. En gros, le but, on va tous faire une supérette différente. Genre, on va tous les trois braquer une supérette différente. Et le premier qui se fait choper, il a perdu le jeu. Le premier qui se fait choper, sa mère, c'est une pute, c'est ça? Non, bah non, on va éviter. Steve a déjà perdu. Ouais, les traumas. Non, non, en vrai, je sais, en vrai, et si vous voulez pimenter le truc, on peut faire ça avec des voitures volées aussi. Oh. On vole tous une panto ou une ici, on fait la sup avec. Je vois pas de flics à la plage, à part ceux qui sont derrière moi. Ok. Vas-y, je dépose mes pochons et puis quand Hector y rentre, on fait ça. Bah, on va continuer de vendre tant que Hector il est en sup. Hector, tu t'estimes à combien tes chances de survie là? 90. Ah, tu m'étonnes, il les avait perdus une première fois quand t'étais avec le Doc Lobby. Écoute, là je viens de leur faire un passement de jambes. Tu vas vendre où du coup toi? Je sais pas, je vais voir. Corte. Quoique la nuit c'est bof, Vinewood. La nuit, je sais pas s'il y aura du monde à Vinewood. Si, il y a du monde à La nuit, il y a du monde à Vinewood. Ou là, on avait vendu la dernière fois avec Antonio, t'sais. Enfin, genre un peu plus loin que. Ouais, faut vous. J'ai pété un câble. Qu'est-ce qu'il y a? Citoyen de merde. Un civil qui t'a tapé? Ouais, bah ouais, parce que je l'ai évité, mais il s'arrêtait comme un gros con au lieu de continuer sa route. Ah oh, putain, la haine. Attends, les civils, ils aident le LSP, c'est n'importe quoi ça! Depuis quand? Ah, d'habitude, c'est l'inverse, ils nous aident plutôt nous en CP, hein. Je vais me prendre un tacle, mon pote!
je rentre tranquille au quartier, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'emmener, j'ai quand même tapé genre plus de 100, ça c'est sûr. Ouais, j'y arrive, je vais t'emmener au lycée. C'était même pas à 100, je pense que je te suivais à peu près ta vitesse de pointe, c'était genre peut-être 150, tu vois. Et ça m'a stoppé net. Je vois le délire, ouais. Ouais, je dépose juste ce que j'ai sur moi parce que je t'avoue que... Ouais, j'ai peut-être fort pareil du coup. T'sais, il m'ausculte. Ah, monsieur, vous avez quoi là? Ce serait dommage qu'il regarde pas si tu vois. Ah, des pochons! De ouf. Allez, let's go. Un civil là. Quelle idée de sortir du Belize à toute berzingue aussi, hein. N'est-ce pas, Antonio? Exactement. Et bonsoir. Yo. En quoi est-ce que je peux vous aider, dites-moi. Alors, je viens de faire un accident de voiture et ouais, j'avoue que je douille un peu quoi. Ok, bah suivez-moi. Il y a un endroit en particulier où vous avez mal? J'ai surtout l'impression que je me suis bien cogné les genoux, c'est sur le tableau là. Oh, ok, je vois. Et j'avoue que la ceinture, bah heureusement elle m'a retenu, hein, mais ouais. En bas, je vais prendre la salle radio. On va faire une petite radio au cas où pour voir. Sur une échelle de 1 à 10, ça convient vous situer là-dedans un petit peu? Je dirais. Enfin, 7. Quoi. 7 Je crois que j'étais un peu plus de 150 quand même, donc. Ok. De toute façon, ça va être calme ce soir, il y a la scène ouverte. Hein. Bah, ça va être calme. Ok. Tu vas se retirer le bas et les chaussures et vous installer. Installé, de toute façon je vais faire la radio spécifiquement sur la zone des jambes, donc il n'y aura pas de soucis par rapport au reste métallique. Ok. Hop, j'ai calibré ça. Nickel, voilà. Ok. S'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis dans la salle juste à côté, n'hésitez pas à parler un peu plus fort. Ok. Ok, ok. Ah, est-ce que je pourrais avoir votre nom, prénom? Ouais, Steve King. Ok, merci beaucoup.
sac à 2900. Wow. Let's go. 2900. Ah, ça c'est le genre de sac qu'on aime. Ok. Bon, je vous rassure, il y a juste une légère fissure au niveau de votre tibia gauche. Ok, ok. Mais oui, c'est bien marqué, bien équiposé, donc on va appliquer de la crème again. Ok. Ok. Donc, ce que je peux vous dire, c'est suivez-moi, prenez vos vêtements et on va aller sur un autre endroit et je vais vous appliquer la crème sur les zones. Et normalement, pour la fissure, ça va se résorber tout seul si vous faites pas de dingue. Voilà. Ok, ok. Il y aura juste un peu. Oui, vous pouvez. Il y aura juste une visite de contrôle à repasser dans une heure pour check ça vers 23h. Pour juste okay. Voir si tout est ok. En beurre, je pense, Steve 3. Hop là, je vais se réinstaller. Ok, je vais relever le jogging, ce sera plus pratique. Ok. Ouais. Hop, je mets ça. Ok. Ça va être un peu froid hein, sur l'application, mais tranquille. Ouais, c'est quand même toujours plus agréable que l'accident, je sais pas où mentir. Hein. Ouais, j'imagine. Hop là. Je vous attends au QG. Hop, je finis ça. Ouais, ça marche. Et parfait, voilà. Ok, vous pouvez vous relever. Et merci. Pas de soucis. Vous avez pas des antidouleurs ou un truc comme ça aussi? Si je peux vous filer ça, un petit antidouleur. Hop là. Hop, hop, hop. Et voilà. Ah, merci, bon. Doc. Il n'y a pas de problème. Steve 3 libre. Ouais, écoutez, la bonne soirée à vous, faites attention à vous en tout cas. Merci à vous aussi, courage. Merci, au revoir. Au revoir. Je suis sorti. J'arrive, j'étais derrière la salle d'attente. Ah merde, pardon, j'avais pas vu. C'est pas grave, la médecin est venue me chercher. Ah, j'ai le tibia gauche, il est fissuré. Mais... Ah, donc la conduite, c'est mort. Faut juste pas que je fasse de grosses dingueries, quoi. Parce que le reste, ça fonctionne, en fait. Hein. Mais c'est juste, les dingueries, non. Ouais, donc pas de CP, quoi. Dommage. Je reviens dans une heure, et puis... Putain, Steve, il pourra pas participer à mon petit jeu, il a le tibia cassé. Il est pas cassé, il est fissuré. Oh, mais non, mais Steve, c'est de l'anti-jeu. Ah. Ouais, j'ai fait une mutite, désolé, je voulais te dire, si tu me parles comme ça de nouveau, c'est toi que je vais fissurer. Ah ouais, chaud. Ça dépend, c'est pour me fissurer l'anus, vas-y. Hein. Je t'attends. Ouais. Mais non, mais c'est une dinguerie. Mais quoi?
Putain, mais c'est une dinguerie de faire autant de mutites. Tu viens d'en refaire une? Ouais. C'est terrible ça par contre, ouais. Bon, du coup. Du coup, Steve, il va monter passager parce qu'il peut pas faire de CP. Ok. Ouais, mais c'est qui de vous deux qui conduit le plus prudemment? Parce que moi, je peux conduire, hein, c'est juste que je dois pas faire de dinguerie. C'est 100% moi, lui. Ah non, non. Non, mais vous deux, vous êtes des dangers publics, en fait. C'est ça le problème. Non. Vous êtes pas seulement des dangers publics, vous êtes un danger pour moi. Je prends des sauts. Moi aussi. Eh bah écoute, qu'est-ce que je peux te dire? Au pire, vends et fais l'arbitre pendant que tu vends, mais c'est chiant pour toi, quoi. Ah, je peux faire l'arbitre, ça c'est bien, ça. Oui, tu peux faire l'arbitre, mais tu vas te faire chier de rien faire au QG, non? Je peux juste regarder comment les CPL se passent en soi. Tu veux te placer où pour ça? Bah je tourne en caisse, quoi. Enfin... Tu peux tourner, oui. Ah par contre, il y a mes caisses, genre... bon, ma comète avait un peu prise, c'est pour ça que je l'ai pas sorti, puis là, ma tailgater vient de prendre. Vas-y, je sais pas quoi sortir, moi. Oh, le brawler. Bah, il sort le brawler. Qu'est-ce qu'on fait? Voiture volée ou voiture à nous? Voiture volée. Allez, bah, l'arbitre a décidé, voiture volée. Ouais, et ce... Ouais, au pire, c'est quoi? Vous me dites rien. Et celui qui utilise, pour moi, la plus belle caisse, c'est un point en plus. Let's go. Et celui qui fait le plus... Celui qui fait le plus de trucs stylés, qui fait le plus de trucs de stylés dans sa CP, il gagne des points aussi, et à la fin, je mettrai des points. Allez, let's go. Je vais chercher ma voiture. Go, le parking rouge. Moi, ça va être quoi la maze? Il y a aussi de belles voitures là-bas. Et ouais, justement, vous savez quoi? Genre, venez, on fait rendez-vous à la maze, comme ça je juge déjà les voitures. Vas-y, let's go. Mais pas forcément, enfin, prenez les voitures qui sont susceptibles de me plaire, je pense que vous connaissez mes goûts. Déjà ça commence mal, y'a pas de belle voiture à la maison, faut que je bouge. Mais je reconnais, t'as failli m'emplâtrer. Oh, la voiture au parking rouge, elle est pas belle. Ouais, mais rappelez-vous des règles, c'est une voiture qui est censée me plaire. Parce que j'ai décidé, c'est tout. Plaît à toi. Ah bah, regarde des caisses que. Si tu lui ramènes la gestor chromée, il va te dire elle est dégueulasse, c'est ça qui est triste. Non, j'ai jamais dit qu'elle était dégueulasse. Après, je me dis, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que voiture volée. Ouais. On est d'accord que c'est pas seulement les voitures des concitoyens, hein. Oui. Voler, c'est voler, hein. Pas vu, pas pris. Réel. Je sais. Je vais aller au parking du Sétu. Ouais, là, t'as pas mal de bagnoles. Avec la scène ouverte, tu m'étonnes, il y a du choix là-bas. Mais Hector, tu regardes 2 secondes les voitures que je conduis, tu captes, y a un petit pattern, tu vois. Bah déjà, entre la tailgater et la massacro, il y a un truc en commun, puis la... comment ça s'appelle? Le brawler et la comète aussi. Hein. À penser à la couleur aussi, ça ajoute des points de style, la custo. Je viens de lâcher des chiens, gros. Je viens de lâcher des créatures. Après, par contre, je me permets une petite règle, interdit d'aller dans le TQ et d'aller braquer les gens. Oui, non, ça non, faites ça discret quand même. On veut s'amuser sur la soirée, pas juste 2 minutes. Ouais, alors je viens de tomber sur une super sportive. Je me suis dit qu'avec mon contender, je vais avoir du mal à la suivre. Oh.
Putain, c'est pas dégueu comme ça, attendez, je prends un beau screen. Ouais. Via la maze du coup. C'est bon, j'ai la mienne aussi. Bon, je pense que je vais perdre. Très clairement, je vais perdre. Mais bon. Ah, le but c'est de s'amuser, on s'en fout de savoir qui gagne. Hein. C'est des supérettes en plus, hein. Genre niveau rentabilité, on est nul. Hein. Mais je pense avoir le coup de cœur de Steve. Ah mais j'attends hein, du coup j'attends la maze, venez, venez. Vous êtes allé vous servir au TQ? Peut-être. Comment ça peut-être? Bah je pense que je vais le voir rapidement en fait. Vol de véhicule, je vais prendre une amende, mais alors tellement cher. Je crois que je reconnais la voiture, je suis pas sûr. Elle est à qui? J'ai vu une caisse qui ressemble chez les corbeaux. C'est pas grave. T'es. Chef? Chef? Ouais, t'inquiète. Je vais. Ok. Je vais. Faut juste pas se faire choper. Je juge là, je juge. Tu l'as chopé où celle-là? TQ, putain, elle était ouverte. Putain, mais il y a des mongols au TQ, c'est une dingue. Mec, j'ai vu chez pareil chez les Corbac, il y a un monde où c'est un... J'avoue qu'il y a un monde où c'est un Corbac, ça. S'il est un Corbac, je dois changer de voiture ou pas? Est-ce que je change de voiture vu que c'est une Corbac? Pour éviter les problèmes. Non, on s'en bat les couilles. Ok. Non, on s'en bat... Au contraire, c'est très bien parce que j'ai un petit truc à régler avec eux. Non, c'est très bien qu'on ait un point de pression sur eux, tu sais quoi. Comment ça t'as un truc à régler avec eux? J'ai Deli qui a beaucoup causé à Emilien et quand ils étaient proches, et le problème c'est qu'Emilien est maintenant à Corbac et Corbac commence à l'emmerder. Ah. À emmerder Deli? Ouais. Sur des sujets ultra perso avec Antonio. Ok. Je sais pas tout mais je vais gérer ça tout de suite. Bah tant mieux, on garde la caisse puis on fait rançon. Bien sûr qu'on va garder la caisse. Par contre, faudrait savoir si elle est bien à eux, celle-là. Ouais. Je vais en pause et on appelle les corbeaux pour faire une rançon. Clairement, oui. Vas-y, let's go. Stylé. Ouais, je vais déjà m'assurer que la bagnole est bien à eux, mais oui, on met le jeu en pause pour l'instant. Putain, mais à chaque fois, je modifie son truc, je veux l'appeler, j'en ai marre. Roby. Je sais même pas s'il est là. Oh. On va straight up juste faire une rançon. Ouais, Roby, comment va? Ça
Ça va bien, bah tant mieux. Moi j'ai un petit problème pour le coup. J'ai un petit problème parce qu'il y a apparemment beaucoup de choses qui ont été dites à certains de tes gens et qui apparemment ont été diffusées chez toi. Chez vous. Je t'envoie la plaque de la caisse par mail si tu veux. Non, on voit. C'est-à-dire, on va être plus précis alors. Emilien, il a longtemps été proche de Deli, on est d'accord? Il n'y a pas de peut-être, c'est oui ou non. Je pense que t'es autant. Comme ça, vide-le à moitié. Moi, j'ai un problème, c'est qu'apparemment, pendant un certain. Il y a quoi dedans? C'est quoi les médocs même? Vite pas tout, c'est bon, pas grave, on s'en fout. Voilà, j'ai pris la moitié. La moitié de 1, c'est 1. La moitié de 1, c'est 1, putain, t'as un génie. On sait même pas si c'est à lui. Ah, je pense que c'est. Il y a un monde où c'est à vous, il y a un monde où c'est pas à vous, je sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble à vous. En tout cas, ça ressemble à votre style, ce que j'ai entre les mains. Ouais. Tu veux la plaque? Ouais, donne-moi la plaque. C'est la blague ZCOB5700. Attends, j'ai rien capté, il y en a deux qui me parlent en même temps. Je vais lire la plaque, ça va aller plus vite. ZCOB, c'est à vous? Une club noire et rouge, ZCOB. Il m'a raccroché. Il t'a raccroché au nez? Elle est noire avec quelques liserés rouges et une étoile blanche en plein milieu. Mais ah bah. Si Moi personnellement non, mais il y a quelqu'un qui a tiré une caisse sur un parking et qui me l'a ramené. Il a vu que la bagnole était ouverte, du coup il me l'a ramené. Ah, tu sais que je les achète et que je rançonne les véhicules, je pense que tu me connais assez à ce niveau-là. Bah t'as une info potentiellement gênante sur Antonio, donc on peut faire un échange à ce niveau-là. Moi je t'appelle d'abord pour ça, puis après tu me confirmes que la voiture que j'ai devant moi elle est à toi, donc en même temps je pense que tu comprends assez facilement que je vais un petit peu jouer l'atout que j'ai en face de moi. Vas-y. Il est pas content. Vous avez pris quoi? J'ai pas check. Je sais pas, c'est lui qui a tout pris. Je vais chercher ma Hellfire, j'arrive. T'as chopé okay. Quoi dans le coffre? J'ai pas vu. Bah, c'est dans le coffre de mon roller. Ok. Ah, ouais, si, médoc, ouais.
Emporte quelques armes aussi dans ta affaire, Hector. Ouais, genre un Uzi ou deux. Hector, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Ok, ok, t'as entendu ce que je t'ai demandé? Ouais, des fois on te reçoit pas en radio. Oups. Désolé, Mickey. Ah, pas de soucis. Du coup, tu peux ramener des armes ou pas? Ouais, ouais, t'inquiète. Eh, ça roule, merci. Est-ce qu'on changerait pas d'endroit, surtout pas dans la place? Alors, reçu. Non, on fait rien ici, y'a aucune raison qu'il y ait un keuf qui passe. Ouais, mais y'a pas mal de monde quand même. Remarque, les Clorbacks savent qu'on vend pas mal ici, on va bouger. Mmh. On va bouger, Hector, on va se mettre à la casse. Ah, c'est demi-tour, je me suis planté. Ouais, passe pas devant moi alors que je suis en train de freiner. Un brûleur, ça freine pas. C'est horrible à conduire une club par contre, hein. Ouais, un peu, ouais. Bah attends, Hector, t'as des armes sur toi? Parce que moi je peux aller en chercher au quartier. Pas du tout, je comptais prendre un fusil d'assaut, moi. Ah oui, on est d'accord. Tu veux que je te prenne quoi, Dylan? Avec la K de Uzi, ce sera très largement suffisant. Bah non, mais on peut sortir vraiment lourd. Guz sur Steve et... Ouais, vas-y, ramène les deux AK et la Guz. Vas-y, je ramène. Vas-y, te fais pas chier, je suis au quartier, donc je vais prendre la mienne de AK. Ok. Fais gaffe, il y a interdit LSPD en bas de Carsal. Ok. Je me suis totalement planté, Jamy. Je ramène une Guz et une AK du coup. J'arrive au check, les gens. Ah, restez devant le check, j'arrive. Je vais faire le plein de la FIR. Du coup, je le prends pas. Non, bah non, du coup, je viens d'arriver. Je reste avec mon brawler. Oui, y'a pas de raison de changer. Normalement, ça devrait pas partir en couille, mais au cas où. Thank you.
passé où, Steve? Bah je suis allé à la case du coup. Non, 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 revenez. On va faire un point de... On va à un point de rendez-vous ailleurs. Okay. Putain, pile au moment où je sors avec la case dans l'eau, y'a quoi, la Hellfire des Vagos qui passe devant moi? Dinguerie. Oh, c'est pas eux qui vont capter, non? Pff, clairement pas. Les robes dans le brawler, ils étaient à nous ou pas? Non. Enfin, je crois pas. Non, rien qu'il y avait dans le brawler était à nous. Hein. Reçu. Même le bidon? Dingue, ça. Ouais. Bon, le bidon, on le garde, hein, par contre, ils vont se faire voir. Coupe ton moteur, Steve, j'ai pas encore le point. Ah, parce que c'est eux qui donnent le point. Ah, écoute, c'est lui qui m'a appelé pour, donc let's go. De toute façon, on est armé jusqu'aux dents, donc si vous tentez un truc, bonne chance à lui. C'est pas toi qui. Mais non, attends, non, attends, guet-apens et tout, là, il aurait pu appeler des gens et tout. Non, c'est nous, on donne le point, non? T'inquiète, suivant le point qu'il donne, on pourra toujours, par exemple, mettre moi ou toi en couverture à un autre endroit surélevé pour prendre le terrain. Si tu veux, je le fais, je vise bien avec la guse. Une guse dans mes mains, c'est un sniper, mon pote, t'es pas prêt. Je confirme pour le coup, je t'ai vu au champ de tir, c'est une dinguerie. Il est beaucoup mieux d'out. Ouais, c'est un bug. Il a dit. Ouais, je disais, de toute façon, il y a un monde où ça va être vite réglé. Parce qu'il y a un monde où ce que Delia l'a dit, pour elle, c'est une giga dinguerie. Mais si ça se trouve, ça va servir à rien. Donc, dans le meilleur des mondes, on leur rend la club. Ils oublient juste ce qu'ils ont entendu et basta. Ça ira pas plus loin à mon avis. Je fais juste un petit peu d'absentéisme. Vas-y. T'imagines, il y a une patrouille de keufs qui passe là devant nous, qui voit les armes dans nos dos. Bon, let's go. Ce serait très drôle. Si ça s'arrête, je vise. Hein. Ah, mais totalement, par contre. Hein. Si ça s'arrête, tu pointes. Hein. Du coup, attends. Du coup, je vais mettre contre la club. Ouais. Merde. Ah, oui, c'est ce que je disais à Hector. Par contre, il y a une bagnole de keuf qui passe. Tant qu'on a les armes dans le dos, tu pointes et tu braques. Hein. Ouais. C'est hors de question que ça s'arrête alors qu'on est armé. De toute façon, j'ai déjà prévenu que c'était fini la rigolade avec ça. Hein. D'ailleurs, on va le buter lui. Allez, voilà. Non, bah on va se calmer, c'est qu'un civil, ça, on va se calmer quand même. Vous gardez des masques? On s'en bat les couilles, on est au quartier. Ouais, alors tendu quand même, comment tu joues avec ton AK, Hector. Ok, c'est bon. Oh, j'en ai deux. Oh, quel dieu, il a multiplié ça. Oh là là, il multiplie les AK, mais quel mec incroyable.
On avait raison de le recruter, tu sais. Tellement. Diego doit être bien déçu d'être passé à côté de ça. Putain, un mec qui multiplie les AK. Allez, let's go. C'est où? Au Vinewood Ball. Uh-huh. Eh ben allez. Tu m'envoies le point exact? Ouais. Non, vas-y, t'es... là. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. Du coup, je me mets en hauteur et je... tu te mets en hauteur, la cuisse en main et t'hésites pas à tirer sur tout ce qui est intrus. Pour être clair, intrus c'est tout ce qui n'est pas Korbach ou Mistral. Tout le reste tu braques, tu t'en débarrasses. Ok, je pense déjà je sais où je vais me mettre. Ça va être. Bah tu sais, ça va être un peu en hauteur, ça c'est les montagnes un peu à côté. Yes. Je vais me mettre là en hauteur. Genre sur Merlot Drive, tu vois au-dessus. Ouais, je vois. Hector, dis-moi que c'est pas toi qui te fais contrôler avec ce que t'as dans le dos. Pas du tout. J'ai eu peur. Allez, du coup, roulez prudemment, hein, pendant que cette vitesse se conduisait pas comme des connards. T'inquiète. Là, par contre, il a presque plus d'essence son truc et je vais pas lui faire le plein. Hein. Bah, y'avait un bidon dans le coffre, tu dises. C'est pas faux. Ouais, mais avec ce que j'ai dans le dos, tant d'axe, je vais essayer de me planquer quand même avant de faire ça. Je sais pas où t'es, mais le chantier, ça peut être pas mal. Non, bah, je suis déjà sur. Comment ça s'appelle? Sur Spanish Avenue, je suis à côté de Vinewood. Tu te planques dans une rue, c'est... Ouais, il y a un petit parking là, je vais me planquer là. Putain, mais le bidon d'essence il est dans le brawler, casse-couille. J'ai oublié de le remettre. Je suis un peu dans le parking en 71-05. J'arrive. Prends direct le bidon et moi je me casse. Ils sont déjà là. Ah, dis-leur que j'arrive, souci de plein avec leur bagnole. Joli terre-plein. Merci, je pensais pas que c'était un terre-plein vu la hauteur du bidule. Ah, mais t'as rabaissé ton brawler, je te rappelle. Oui. Ouais, yo, dis-moi. Ah, chiant. Je suis rentré dans les villages, je suis en train de monter. Waouh! Ils sont où au Vinewood Ball? Ouais, sur le parking.
Ça se passe. C'est quoi qui tourne? J'en sais rien. Regarde s'il te plaît. Ça tournait vers où? Parce que moi j'étais vraiment tout en haut. Je vois rien en tout cas. Reçu. Je retourne à ma position.
tout va bien. Ouais, t'inquiète, t'inquiète.
Tout va bien. Ouais, t'inquiète toujours. C'est tendu ou ça va? Je pense que ça veut dire que ça va. Ouais, ouais, t'inquiète, ça va.
C'est bon, on s'en va. Non, je conduis, wesh. Toi de là, wesh. Allez, monte, on se casse. Je rejoins en quartier, j'ai une petite trotte avant ma voiture. Je suis en route, j'y vais lentement. On se voit au quartier sud. Ouais. Je branle. Ouais. Du coup, ça dit quoi? Ça dit qu'il a intérêt à fermer sa gueule, sinon on fait une descente dans son quartier. Ouais. Ça dit quoi d'autre parce que ça a duré un moment. Pour rien de spécial, il est pas d'accord avec avec notre point de vue. C'est bien, je suis content pour lui. En gros, ce que Deli a dit à Emilien, c'est que Antonio veut se ranger. Mm-hmm. C'est bien, on était déjà au courant. Il pensait me faire chanter avec ça. Bien joué à lui, mais c'est raté. Et du coup. Ah du coup, il sait bien, il s'est pas vanné à penser qu'il pouvait me mettre un coup de pression. Et du coup, tu l'as mis à un retour. Pas du tout. Non, je suis resté très calme. La seule chose que je lui ai dit, moi je te rends ta club. Tout ce que je te demande, c'est de fermer ta gueule. Et que si jamais tu fermes pas ta gueule, je débarque dans ton quartier et je vous coupe la langue à tous les trois. Oui, donc un coup de pression. Bon. J'ai été gentil. Oui, c'était mignon. Il a été gentil. C'était un coup de pichenette, quoi. C'est ça. C'était une pichenette de pression. Voilà. Que j'aurais voulu mettre un coup de pression, j'aurais sorti la caisse, j'aurais coupé un doigt instantanément.
Avec une AK, c'est dur de couper des dents. Moi, j'ai mon couteau. Genre, tu sortais l'AK, pour braquer quelqu'un, pour braquer les deux, et moi, je coupais les dents. Pour mettre les points sur les quoi. En gros, il a dit que, parce que bon, voilà, pour donner un peu plus de corps au résumé, en gros, il a dit qu'il n'était absolument pas d'accord avec notre façon de penser et que et qu'il allait très clairement partir en croisade contre ceux qui n'ont pas la même pensée que lui. Donc très clairement, il va partir en croisade contre nous. Voilà. Je lis les sous-titres. Hein, je mets les sous-titres aussi. Hein. Ouais, on est d'accord. Voilà. Quand on lui a dit que nous, enfin moi j'ai émis le mot dynastie pour parler de Mistral parce que bah on avait des gens devant nous, avant nous, qui ont perpétué et on perpétue ce qu'ils font. Il a dit oui, bah moi les royautés, je leur fais tomber la tête avec la guillotine. Voilà. Et pour ça, vous l'avez pas mis de coup de pression au moins ou... Très clairement, j'ai failli, hein. Mais j'ai pas eu, j'ai attendu que Dylan me donne le top, mais j'aurais dû le dire plus implicitement, plus explicitement. En vrai, faut pas hésiter à parler quand vous êtes avec moi. Hein, c'est... Et voilà. Très clairement, il aime pas notre côté. Pour lui, on est l'extrême opposé à lui. Et donc voilà, il va partir en croisade parce qu'il supporte pas qu'Antonio. En fait, il trouve que ce que fait Antonio, c'est de la haute trahison. Et qu'il ne cautionne pas le fait qu'on le laisse partir sans lui mettre une balle dans la tête. Voilà. Qu'est-ce qu'il a à dire de nos méthodes? Aux dernières nouvelles, c'est nous qui avons un bis, pas lui. Hein. Ouais. Jusqu'aux dernières nouvelles, on est au-dessus de lui, qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule? Ouais. Moi, je pense qu'on devrait reprendre les expéditions punitives si on trouve du corbeau, petit braquage, petit. Allez, tu dégages, je te mets une balle dans le pied, et puis voilà. Je pense aussi. Pour l'instant, c'est open bar avec les corbacks. Faites-en ce que vous voulez. Oh. Bon, évitez quand même de me les canner, ce serait dommage. C'est pas le but non plus. Mais si vous croisez un corback sur une supérette ou sur de la vente, braquez-le, prenez-lui ses affaires, foutez-le à poil et barrez-vous. Parce que s'il veut commencer au jeu de la pression, il va avoir la pression que nous on peut lui mettre. Et du coup, maintenant on a une plaque à eux aussi. On a quoi? Oui. Bah j'ai récupéré la plaque, j'ai pris la photo, je t'ai envoyé. Oui, c'est vrai qu'on a la plaque. C'est vrai que bah tu peux la mettre sur notre tiens, en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'on a leur plaque, je n'avais pas pensé, mais ouais. Bref. Moi va falloir que j'aille voir Deli. Donc Ouais. Faut que tu sois ferme avec elle, s'il te plaît. Tu veux qu'on t'accompagne? Non, c'est moi. Ok. Gère ça tout seul. T'inquiète pas, je vais gérer, t'inquiète pas. Mais non, il y a que moi qui vais l'avoir. Je te le redis pour que Steve soit au courant. Moi, je veux qu'on applique la fermeté. Je veux pas qu'on soit sur un coup de pression en bonne et due forme comme on a fait avec certains, parce que bon, c'est Deli quand même. Voilà, je l'aime beaucoup, hein. Mais enfin, faut quand même fermeté, quoi. Parce que ce qu'elle a laissé couler une information qui est capitale. Oui, et là où Roby avait pas tort, c'est que l'information tombée dans de mauvaises mains, ça pouvait nous coûter beaucoup de choses. Oui, c'est, j'en suis bien conscient et t'inquiète pas, je vais aller régler ça. Voilà. Mais le problème, c'est que là, Deli, à mon avis, elle est défoncée et alcoolisée. Donc si elle vous voit arriver, elle va se braquer, il n'y aura pas moyen de parler. Bon, elle me connaît, hein. Elle te connaît, mais elle me fait plus confiance. Ah bah écoute. C'est pas péjoratif ce que je vous dis. C'est juste moi. Non, elle va pas monter ses défenses pour rien, tu vois. Non, mais vas-y. Mais ouais, fermeté s'il te plaît. T'inquiète pas, c'est l'objectif. Fermeté tout court avec tout, moi je dis. Bien sûr. Qu'est-ce que je sors? Bah je sais sortir les drones, ça commence déjà bien. Sur ce, faites ce que vous pouvez faire. Braquage, vente, comme vous voulez. Moi je vais aller. J'allais faire mon check-up pour les SMS. Ok, ça roule. Et dès que je reviens, si quelqu'un est dispo, on va aller blanchir. Ok, ouais. Et ben, bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit, Hector. Ah, tu t'en vas, toi? Ah, il va te coucher. Ok, bonne.
Bonsoir. Yo, ouais. Je viens faire mon check-up. Ah, un petit check-up. Pas de soucis. Je mets mes gants. Allons-y. Ouais. Allons-y. Vous étiez blessé hier J'avais une fissure au tibia. C'était passé ce soir. On m'a dit de repasser dans une heure pour voir si tout allait bien. Fissure au tibia, ok. On va faire vite fait là-dedans. Je vais vous laisser vous allonger en retirant vos chaussures et vos pantalons. Normalement, ça devrait suffire. Regarde exactement ce que ma collègue a écrit. Le nom au cas où c'est Steve King, ouais. Vraiment anti-inflammatoire, anti-douleur. VC, ça veut dire quoi VC à 23h? Check-up, parce que je devais revenir à 23h, pas quoi. Vers check-up, j'imagine. J'imagine qu'il parle de ça et pas tout simplement des toilettes. Bon, du coup. C'est ici. Hop. Checker vite fait. Bon, ça va un peu mieux au niveau douleur déjà. Ouais, j'ai pris un antidouleur, bah, ça a aidé pas mal quand même. Ok. Bon, Yuri, là, c'est noté que vous étiez sur un petit 4 sur 10, donc ça va. Bon, ça va. Mais presque à la moitié, mais ça va quand même. Non, tiens, gauche crème. Ok. Ok. Puis vous arrivez à marcher encore. Bah, remarque, vous êtes venu jusqu'ici. Oui. Ouais. Bah, je vais, je pense, remettre un petit coup de crème, écoutez. Et vous avez donné quelques antidouleurs, il vous en reste ou... Non, elle m'avait juste donné un antidouleur, mais franchement, j'ai pas l'impression d'avoir plus mal que ça. Genre, ouais, je trouve ça, okay. Je sais pas. Ok, bon, je peux pas vous en donner un deuxième, juste un peu. Une deuxième couche de crème devrait suffire, je pense. Donc, écoutez, bah, vous avez donné des restrictions de ne pas conduire, de. Juste de pas faire de grosses dingueries, quoi. Ok. J'ai un peu congé entre temps, mais c'était pas énorme, quoi. Ouais, bah, si vous avez fait attention à la conduite, ça va. Hop. Ok. Bon, bah, pour la suite, de toute façon, ouais, pour la soirée, je dirais que, ouais, faites un peu attention, mais bon, vous pourrez continuer et commencer à reprendre une vie un peu normale petit à petit. Hop, bah, écoutez, c'est tout pour moi, je vais vous laisser vous relever. Yep. Bon, comme il faut. Et vous rhabiller surtout, c'est important. Et c'est parti. Ouais. Hop là. Ah, merci Doc. Et maintenant rien, puis passez une bonne fin de soirée. Yep, vous aussi. Et merci. Et je suis sorti, je laisse au cas où toi. C'est reçu. Pas vu. Ouais, la vie normale, je peux conduire vite. Putain, mais j'oublie à chaque fois.
Ah putain, mais ça fout tout le poste. Tout va bien de ton côté. Oui, t'inquiète. Un petit peu tant qu'il est encore temps. Mais j'ai la massacro, mais j'oublie que j'ai la massacro, je me dis c'est pas le seul véhicule potal qui me reste, le brawler. Massacro, est-ce qu'elle... Magnifique. Là on est un. C'est encore bon. Thanks a lot. Oui. Well, you're gonna have to make it up to me big time. Alright. Oh, yeah, it's me. Hey, thanks. It was your damn recommendation, not mine. Yo, man, where are you at? I ordered that pizza like 3 hours ago, man. Yeah, yeah. Let's move on. Et je reviens au quartier. Later. Ok, je suis à la maison en train de vendre comme. Hi. Ok. Eh bah, finis ta cargaison, puis on va les blanchir. J'ai à peine de commencer, ça va être un peu long, surtout qu'ils me prennent genre un par un. Si tu veux venir chouffe un petit peu au moins. Ouais, j'arrive. Bah, je suis descendu du barrage, hein. Je vais pas être là tout de suite. Hein. Ok. Hi. Thanks. Ils me les prennent vraiment qu'un par un, ça rend ouf. Hey. Je suis autour de la maison, je commence à tourner. Ok, ok. Pour l'instant. Ok, ok. Ah. Voilà. C'est toi le klaxon? C'est moi, t'inquiète. Many thanks.
Thank you. Je suis à l'intérieur ou pas? Hey. T'as quoi? Je suis à l'intérieur au cas où. Ok. Hey, what's happening, Joe? Hey. I just got my box. Oui, j'ai fini, on peut se casser. Allez, on se casse. J'arrive au quartier. Ok, j'arrive. Ah, ça roule. Juste un petit peu d'absentéisme. Donc, oh putain, on est à si peu de... Oh non, c'est dégueulasse. On a si peu des 170. Ouais, désolé, tu me disais. Ouais, je disais juste, on est à si peu du 170, du coup, je suis allé. J'ai pris deux pochons, puis je suis allé les vendre rapidement à la maison. Deux, carrément. Bah, 170, on est à peine à 30$ du 170, donc au bout d'un moment. Hein. Bisous, bisous. J'arrive. Ok, je me mets déjà en tenue sombre. Ouais. C'est pas là. Tu veux que je tourne avec quelle caisse? Comme tu veux. Comme un tailgater, bof. Bah dans le sable. Sable, ouais, c'est pas terrible, genre peut-être la comète ou le brawler, en vrai, je sais pas. Brawler, il est pas trop discret, la comète, pas ouais. Bah de toute façon, celui qui doit être discret, c'est moi, c'est pas forcément toi, tu vois. Tu veux que j'aille déjà sur le pont? Ouais, commence à y aller.
Ah, je dois faire un plein rapide à Grove Street et je me mets en route. Ok, moi de toute façon je me presse pas. Hein. Il y a une petite CP au centre-ville. Ah, ça roule. Ça rend vite un brawler quand même quand ça avance. 180, c'est pas mal. Ah, c'est pas dégueu. Hein. Soli, j'en parle plus. Chaud pointé. Ah, c'est reçu. Y a un monde où je vais pas tarder à être au téléphone, donc si je te réponds pas, c'est normal. Avec qui? Avec des keufs. Pourquoi? T'inquiète pas, c'est rien d'important. Comment ça, rien d'important? C'est des keufs quand même. C'est pour Daily, t'inquiète pas, ça, je vais gérer. Ah. Au point G. Je viens d'arriver sur le point. Ok, ok. Bah moi j'ai fait un premier tour, j'ai rien vu.
Après, je colle pas le point non plus, hein. Je suis un peu éloigné pour être sûr que. Ouais, ouais, Eh, je suis parti. Ok, bah je rentre aussi. Et je suis bientôt en ville. Je suis déjà. Moi je suis place des culs. Ouais, c'est ça, roule. Ah, je suis encore sur la freeway, mais je viens juste de passer le casino là. Ok. Thank you.
suis arrivé. Eh, ça roule. Moi, je viens juste d'entrer dans les quartiers sud. Non, se changer. Oh merde. Je peux pas faire ça. Ah, je suis dans le QG. Magnifique. Ouais. Merde, putain, je suis trop con. 136, 374. Que je fasse la décla quand même. Pas être con. Blanchi. Donc, 136 374. Pas mal ça. Toc. Et on a 48 200 de disponibles. Let's go. Il nous fait 12 050 à chacun. C'est pas mal. Bah ouais. Attends, combien? 48 000 ? 48 200 divisé par 4. 4 et Anthony, il a son salaire. Il a 3 jours. Il a 3 jours d'activité, donc oui, il a son salaire. Non, dans ma tête, il était mieux moins que ça, mais vas-y. Bah pour moi, il a 3 jours. Après, je me suis peut-être planté en vrai, mais au cas où. Je préfère lui verser pour rien plutôt que pas lui verser alors qu'il est à droite, tu vois. Ensuite. C'est où les salaires, c'est là. 48 200 qu'on retire. Tac, on les retire en vrai. On est bon. Eh ben, il n'y a plus qu'à aller poser ça et verser à tout le monde. Je vais quand même prendre une norme. Ouais. T'attends de vous. Ouais, je me change vite fait, genre. Comment ça, t'avais une moto? Tu l'as pas vu la moto qui était devant le QG? Non. T'es parti tellement vite, frère. Ce qui est bien, c'est que si 46 s'y passe, il va se dire putain, mais ils ont toujours pas compris. On m'en bat les couilles. Moi aussi. Mais c'est drôle de se dire ça. Ouais. Hésite pas à venir, hein. Pour les numéros, tu veux? Ah, bien sûr. Tu veux lequel? Tac, tac.
Alors, déjà la raison, c'est les salaires. Et pas salir, c'est salaire. N'oublie pas le A. Bon, les montants, ça va être 12 050. Et je t'écoute pour le premier. Antonio, vas-y. C'est 18-14. Celui-là, je l'ai retenu, c'est ok. Allez, c'est envoyé. Hector. Il l'a bien reçu. Toc. Hector, dis-moi tout. Hector, c'est 19-98. 98. Toc, c'est envoyé. Je vérifie. Hector, c'est parti. Et pour toi? Et pour WAM, c'est le 78-61. Et c'est reçu. Ah bah parfait. Ah ça fait du bien dans le compte en banque. Ah le compte en banque il tire moi la gueule hein. 18 939 le mien. Ah oui. Ah oui le mien il a plus de 40 000 là. Ah oui. Bon du coup désolé, je sais pas si t'avais prévu quelque chose avec Sam pour la soirée, mais je l'ai monopolisé pendant un moment je pense. Ah ouais? Avec ce que je lui ai envoyé, ouais. En gros j'ai demandé au plus haut gradé en service de me rappeler, et bah forcément c'est tombé sur lui. Ah merde. Donc bah voilà, pas de bol. T'as un rendez-vous, tu veux que j'aille avec toi? Je sais pas si y aura rendez-vous, mais si en gros s'il y a, c'est juste j'ai juste informé les keufs que Deli était potentiellement menacé par les corbacs. Ok. En disant simplement que c'est un, j'ai pas les moyens de la protéger et deux, c'est pas mon boulot. Comment ça, on n'a pas les moyens de la protéger? Bien sûr que si. Non mais je dis ça aux keufs. Ouais. C'est ce que je dis aux keufs. Bien sûr qu'on peut la protéger, mais en même temps, c'est pas à nous de le faire. Clairement. Moi c'est ce que je leur ai dit, c'est ce que j'ai dit à Deli, officiellement je défendrai ce que j'ai à défendre, mais je peux pas voilà quoi, je peux pas mettre de gros moyens sur une protection rapprochée, c'est pas mon boulot et j'ai pas les moyens. Non, donc, on n'est pas payé, c'est pas rentable. Bah c'est ça le problème, donc du coup c'est pour ça que je préfère la mettre sous la garde des keufs. Tu peux pas être d'accord, mais moi je pense que c'est le mieux pour elle. Bah, oui, je suis d'accord en vrai. Vous pouvez passer. Bah, nickel, bah, je vais aller les voir. Je vais juste mettre autre chose parce qu'on peut trop le rouler à l'aide. Surtout, t'as un petit truc à la jambe, ouais. Oh, ça, on s'en bat les couilles. Je voulais mettre un truc court. Vas-y, j'ai envie de voir Sam, s'il te plaît. Je vais mettre ma chemise. Oui, vas-y. J'avoue, je vais mettre un truc plus pro aussi, attends. Hop là. Ouais, mais fait chaud, nique ça, mec. On fout d'être pro. Hop là. Merde, j'ai oublié de lui dire que t'étais avec moi. Bon, c'est pas grave, il le verra de toute façon. De toute façon, y'a rien, c'est bon. Non, y'a rien, y'a pas de négociation, y'a pas le capitaine, y'a pas le lieutenant, qu'est-ce que j'ai négocié? Attends, juste vite fait, je vais prendre à boire et à manger au cas où, parce que sinon ça va être la sauce. Ah, ça roule. Ça te dérangera aussi après de passer la Tailgater et la comète au Bénise? Ah, pas de soucis, on va y aller. S'ils sont toujours ouverts d'ici là, mais ouais, on va y aller. Ouais. Par contre, les keufs, je te le dis tout de suite, je dirai rien sur Antonio. Je vais juste dire que Deli a un petit peu trop parlé d'Antonio au Corbac et c'est tout. J'entrerai pas dans les détails. Oui, bon, ouais. Voilà, les keufs, ils ont pas été au courant des affaires d'Antonio. Évidemment, bon, les speedy en roulant comme des bâtards. Bon, ils sont devant nous, donc on va peut-être éviter de rouler comme des gros bâtards. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait l'autre, mais il est peut-être bizarre. Qu'il est en train de chercher quelqu'un qui s'est barré, tu sais. Pas d'habitude, ils mettent pas la sirène quand ils cherchent.
Ah bah non, qu'est-ce que je fais? Regarde, hop là, on est très bien ici. Bon, je vais pas flouder la sonnerie parce qu'il y a un monde où ils vont me demander pour ça, ça va être terrible. Et bonsoir. Ouais, pas de soucis, merci Sam. Et du coup, oui, voilà, j'attendais Sam. Tout va bien. J'arrive. Jesus, meuf. Mon cul, t'es. En tout cas, elle se barre pas en courant, donc je pense que c'est pas Alvarez. J'allais dire, on dirait un peu. Un petit peu, ouais, mais je pense pas. Ça me fait flipper un peu. Après, je pense qu'elle se barrera en courant, Alvarez. En plus, ça rentre dans le bureau des chefs, là. Il y a un monde, c'est une nouvelle. Hein. Peut-être. J'ai tellement envie de m'approcher des fenêtres pour voir ce que ça fait. C'est au scalon. C'est ça. C'est qui? C'est qui? C'est ça, mec, c'est exactement ça. Non, il y a un monde, je pense que je suis en recrutement de personnes dont on doit se méfier pour l'instant. C'est qui qu'on va le torturer après? C'est qui? C'est qui? C'est qui qu'on va faire chier? Terrible. Viens, 30. Ah, mais il est là, le lieutenant, je pensais qu'il était pas là. Terrible. Ah, ça fait visiter le PVT, le PDP, hein, c'est... Mmh. Peut-être quelqu'un de la mairie, je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, j'aime bien l'idée où on a assisté à un recrutement, tu vois. Si on la croise, on pourrait dire, ouais, on était là, on était là. Ouais, j'ai l'impression... Bah, c'est ça, les recrutements, c'est qui fait ça. Et bonsoir. Aller dans le bureau. Bonsoir. Ah, mais c'est parti. Ah, j'ai juste Amnesty, il se faisait chier au quartier. Oui, bah pas de soucis, hein, de toute façon. S'il est au courant, on s'en fout. Ah, bah oui, il est totalement au courant, oui. Oui, je me doute. Ok, du coup, c'est quoi ce bordel? Alors, en gros, il y a eu un petit souci. Un moment où le Corbac Emilien, je passe son nom de famille, je pense que vous voyez de qui je parle. Ouais. Quand il travaillait encore, quand il était encore à peu près dans la légalité, il était proche de Delhi. Le problème, c'est qu'à un moment de, je pense, de faiblesse de Delhi, elle lui a confié des trucs qu'elle aurait pas dû lui dire sur nous. Ils sont un petit peu gênantes pour moi, on va dire. Moi, c'est à quel niveau de gravité? C'est très haut ou c'est encore... C'est un truc qui me met potentiellement dans la merde. Je peux pas vous en dire plus, je peux pas me permettre de m'étaler là-dessus. C'est pas franchement le plus important, c'est juste pour vous situer un peu l'histoire. Ouais, ok. Un problème, c'est que du coup, ce cher Emilien est entré chez les Corbac. Et a balancé tout ce qu'il savait à ses potes Roby et Albin. Moi du coup je l'ai appris ce soir parce qu'elle m'a appelé ce soir en mode ultra paniqué, elle est pas bien. Je vais aller voir avec eux, je vais négocier pour que ce genre de truc, bah ça s'ébruite pour des masses quoi. Le problème c'est que du coup ils sont pas contents, c'est le genre de truc qu'ils aiment pas, voilà, du coup ils menacent. Okay. C'est bien, je suis content pour eux, qu'ils me menacent, c'est pas un souci. Le problème, c'est que là où mon problème il est, c'est que ces menaces à lui, c'est que ça, il veut s'en prendre aux proches de mon groupe. Et le problème, c'est que la seule civile qui n'est pas dans la criminalité, la seule personne qui est proche de mon groupe qui n'est pas un criminel, c'est Delhi. Ouais. Okay. Donc après il l'a pas dit ouvertement, je vais aller emmerder Delhi, mais moi je l'ai entendu comme ça. Est-ce que okay. Exactement ce qu'ils ont dit comme ça, on est à plat au niveau des menaces.
Exactement, je ne saurais plus te dire le terme, mais... Allô. Je ne saurais pas vous dire les termes exacts, mais il a clairement dit que les personnes proches de notre groupe, il va leur faire de la merde, quoi. Ok. Il peut utiliser le terme croisade. Ouais, c'est ça, il y a eu un terme, il va partir en croisade contre mon groupe, à peu près, c'est à peu près le terme qu'il a eu. C'est un des nombreux termes que j'ai pas tout retenu parce que le mec me fait mes chiens. Il parle trop et puis il me fait ni chaud ni froid surtout. C'est là où ça m'emmerde, c'est qu'il a menacé Deli. Ouais. Ok. Donc voilà, je vous appelle, je vous demande de le faire parce que j'ai pas les moyens et c'est pas mon travail. C'est le vôtre. Ouais. Et bah de toute façon, on a déjà prévu aller sous protection G6 et nous quand ils sont pas dispo. Il y a pas de soucis à ce niveau-là. Je voudrais nous tenir au courant de quand ça se calme un peu les tensions, qu'on sache qu'on levait la protection, etc. etc. Ouais, pas de soucis. Et s'il y a du nouveau, nous terminons le courant. Maintenant, il y a un monde où c'était que des menaces en l'air. Hein. C'est le mec qui, ça se trouve, il veut juste faire le beau et essayer de me faire peur. Ouais, mais vaut mieux faire attention dans les prochains jours, hein. voir l'ambiance un peu entre vous. Pour ça, je préfère prendre les devants et vous prévenir que ça, il y a un monde où ça part en couille. Ok. Bah de toute façon, me prévenir si ça, les menaces se sentent... Ouais. Je le saurais très vite. Envers Daylaila. Ouais, ça marche. Je le saurais très vite si jamais il commence à tourner trop autour d'elle, je le saurais très vite. Donc voilà. Comme j'ai dit à Sam, ça m'arrangerait un maximum que officiellement, c'est pas moi qui vous ai mis au courant. C'est déjà transmis, vous inquiétez pas. Ouais, vous voulez pas que ce soit vous, pas votre nom. Ouais, c'est que ce soit. Mais même que ce soit pas Mistral, c'est juste que vous l'avez appris d'une source anonyme. Oui, de toute façon, je l'ai dit en haut gradé, mais le reste, de toute façon, ça concerne personne, donc on s'en fout. Ah, magnifique. Ouais, pas de soucis à ce niveau. Ok. Daylaila, elle est au courant de quoi exactement? Que je sache quoi lui dire ou pas, s'il y a des trucs sensibles. Elle est au courant que. En gros, je pense qu'elle est à peu près au courant de tout parce qu'elle a voulu, savoir un petit peu où en était ma discussion avec Robbie parce qu'elle a peur que ça parte en couille. Okay. Maintenant, moi, j'ai pas de raison de cacher quoi que ce soit à personne. Je lui ai clairement dit qu'il y a un monde petit, mais il y a quand même un monde où elle peut avoir des problèmes. Okay. Et en face d'elle, je lui ai fortement conseillé de se rapprocher de son père si jamais ça partait vraiment en couille. Ouais. Mais dans le doute, je préférais vous prévenir en amont au cas où. Oui, totalement, de toute façon. Est-ce qu'elle peut avoir une idée que c'est vous qui nous avez contacté ou pas? Parce qu'elle m'a demandé, je lui ai pas dit du coup, mais... Dans l'idéal, j'aimerais que non. Maintenant, si elle insiste vraiment, lâche-lui le truc, non, ça me dérange. Ok, ça marche. C'est noté, putain. Oh, tu te fais encore... Allô. Une dinguerie. Vas-y. Pas pour très longtemps et on en parlera après. Ouais, d'ici quelques minutes, ouais, pas de soucis. Où suis-je? Ah, quel... Ça marche, à toute. Ah, vous aussi, ça va être terrible ça. Non, c'est bon. Ok. Mais bah, de toute façon, nous on fait le nécessaire de notre côté, vous nous tenez au courant s'il y a du nouveau. Eh, pas de soucis. Et puis parfait, hein. Enfin, parfaitement, mais ouais. Non, pas parfait, mais... Parfait dans ce qu'on peut faire. Oui. Eh ben, merci à vous. Eh ben, pas de soucis, c'est notre travail. Eh ben, parfait. Eh ben, sur ce... Courage, hein. Ouais. Bonne soirée et tout pareil. Ouais. Et merci. Au revoir. Hey, yo. Et bonne soirée. Hey, yo. Merci, bonne soirée. Je peux faire une référence entre une hache d'armes et une halbarde. Reviens là. Voilà, ça c'est fait. Bon bah voilà, c'est réglé. Il y a un mot où ça spécule chez les Shisen aussi, vu qu'ils viennent nous voir sortir du bureau. Bah tout ce qu'ils vont spéculer, c'est ils étaient en rendez-vous avec des gradés. Ah non! Aïe, non!
Je suis un connard. J'avais pas sa ceinture ou quoi? Je l'ai oublié. Je suis parti trop vite. J'en ai marre, Freddy. J'en ai marre. Je suis désolé. Oui, ça va. Putain. Ça va aller. Okay. Allez voir les docks, ouais. Ils sont toujours ouverts. Non, ils sont fermés. Nickel. Non, tranquille, c'est moi, Freddy. Je peux pas t'aider. En plus, Arel vient d'aller se coucher. Non, tranquille, c'est moi, t'inquiète. Je vais... Ouais, je vais me poser, je vais aller les voir demain, ouais. Oh, ok, ça marche. Ça marche. Désolé, Freddy, j'ai enculé ton camion. Désolé, ouais, désolé pour toi, ouais. Vraiment. Ah, mais tranquille, putain, j'ai enculé comme ça. T'as volé, mais t'as du bol, t'es dur encore debout. Ouais, j'ai... Ouais, ça le fait. J'ai vu ton corps s'éclater contre le... Ouais, bon. Ah, j'ai vu des choses, ouais, c'est... Ils ok. Ils ok, je suis relatif, je me suis juste vu sortir. T'es solide, en tout cas, t'es solide. Très, très solide. Ok, ça marche. Bon, j'en ai marre, mais c'est pas grave. Je continue mon épanage. Vas-y, Freddy, tranquille. Ouais, mais bonne soirée, ouais. Salut. Tu prends le volant, hein. Oui, oui, oui. J'en ai marre, Steve. Mais faut s'attacher aussi, c'est une dinguerie, putain. J'en ai marre, Steve, j'en ai putain de marre. Il y a du sang partout, gros. J'ai vu qu'il y avait du sang partout, merci. J'en ai marre, Freddy. J'en ai marre, Steve, j'en ai marre. C'est bon, autant fois il m'a appelé Freddy. Oui, en plus, oui, j'ai fait taper Freddy, oui. Oh, elle est trop bien à conduire, ta STX, en fait. Bah oui, elle est bien à conduire. Elle est d'une fluidité, mon pote. C'est ma voiture de cœur, c'est pas pour rien. Elle est mieux que toutes les Buffalo réunies, c'est une dinguerie. Bah du coup je vais l'amener au fils. Ouais, bon. Bah non, du coup ils sont en pause, du coup nique sa mère. Nique sa mère, voilà, moi je vais aller me coucher et on passe les voitures demain, hein. Ouais, ouais. T'en es marre, Steve. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit, ouais, tout à fait, ouais. Allez, merci d'avoir suivi le live, hein. Bonne nuit.